Salut Internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Oh. Commence pas. Non, mais c'est pas. On va la refaire. Alors, il tape après à contre-temps. Ne fais rien. Salut Internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Loubit. Loubi. Non. Là, faut arrêter. Parce qu'à chaque fois, tout le monde m'appelle Loubit à cause de toi. Maintenant, dis mon vrai prénom, c'est Loubit. Au revoir. Voilà. D'ailleurs, il va créer Instagram, ce sera Loubit. Loubit officiel. Je suis en compagnie de Loubit. Et du coup, les gars, je vous jure, c'est lui qui m'a dit ouais, Anto, je peux être dans ta vidéo. À tes risques et périls après. Tu vas être dans les vidéos, d'accord? Moi, j'ai cru que ça allait te faire plaisir. Ça allait faire plaisir aux abonnés. Parce que ça leur fait plaisir. Que je suis pas venu. C'est vrai. Mais ils sont contents de voir Loubit. Ouais. Voilà, vous voyez. Mais par contre, caméraman, sur l'instant, ne te trompe pas, marque pas Loubit. C'est Loubi. Loubit officiel. Bon, les gars, voilà, je suis en compagnie de Loubi, c'est bon? C'est bon. Eh, tu peux y aller. Donc aujourd'hui, les gars, bon, on prend cette vidéo un peu à la rigolade. L'intro était rigolote, ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, je vais traiter un sujet qui est assez grave. J'ai mon petit frère qui a bientôt 15 ans, qui est rentré au lycée il n'y a pas très longtemps. Et dans son lycée, ça se passe hyper mal. Il est victime d'harcèlement sans arrêt, pour rien. Parce que c'est un petit qui travaille bien à l'école, c'est un petit qui est. C'est un beau petit, c'est un beau gosse. On tire ça de la famille, hein, désolé. Et du coup, ben, il suscite de la jalousie. Et cette jalousie fait que les gens le harcèlent à l'école pour rien. Et c'est en train de me monter au cerveau parce que les gens, ils savent pas que c'est mon petit frère. Parce que mon petit frère, je l'ai jamais affiché et je l'afficherai toujours pas, même ici. C'est quelqu'un de discret, c'est un petit discret. Pas envie de se faire remarquer. Loubi, tu peux revenir, contrairement à lui là. Un bon roi, moi. Lui, c'est petit frère de. Moi, j'ai pas de petit frère. Ouais, vous voyez pourquoi je. Bon, bref. Et donc, j'ai demandé à mon petit frère qui c'était parce qu'il a mis longtemps à m'en parler, il avait honte, il avait peur de m'en parler. Et il m'a dit bah, écoute, c'est telle personne, c'est ce jeune là, machin, et en âge, est-ce que tu sais où il habite? Il me dit oui, je sais où il habite à tel endroit, tel endroit. Donc, moi, ce petit là, je vais aller le voir gentiment, je vais lui expliquer que je suis son grand frère et qu'il faut qu'il arrête de déconner. Si je vois ses parents, c'est encore mieux, comme ça j'expliquerai la situation à ses parents. Et si je vois le petit, bah, je lui expliquerai ce que c'est la vie et je... Et voilà, s'il veut pas qu'on lui fasse pareil, il faut qu'il arrête. Parce que harceler, il y a des jeunes, c'est un sujet grave, il y a beaucoup de jeunes qui se suicident, qui mettent fin à leur jour parce qu'ils se font harceler à l'école. Donc j'ai pas envie que ça arrive à mon petit frère. Donc je prends ce sujet au sérieux et c'est pour ça que j'y vais en personne. Comme ça au moins, je peux lui expliquer la vie entre quatre yeux. J'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère qu'il sera chez lui. Bon visionnage à tous et à tout à l'heure. Ciao. Bon les gars, on est devant la maison de ce jeune là qui se prend pour un voyou, mais apparemment et voilà, il habite dans une très belle villa avec des palmiers et tout, bravo. Je vais sonner chez lui et on va voir s'il y a quelqu'un qui sort. Allez, c'est parti. Bon, j'ai sonné, je vais voir s'il y a quelqu'un. On attend. J'espère qu'il y a quelqu'un. Bonjour. Je suis Kamov. On ne se connaît pas, mais je pense que vous me connaissez. Non. Vous êtes au lycée à Art. Bon, je te tutoie parce que tu es jeune. Tu as quel âge? 17 ans. Tu vois que c'est le petit Arthur? Quel? Arthur, tu vois que c'est? Ouais, ça me dit très fort. Il est dans ton lycée. Mmh. Et il me dit qu'il y a un grand qui s'amuse à le harceler. Qui s'appelle Stéphane, tu t'appelles Stéphane. Ouais. Voilà. Et il me dit que tu fais la misère un peu trop souvent, que tu t'amuses à te moquer de lui, tout ça. Et moi, je suis son grand frère, tu vois. Voilà. Ouais. Donc, il va falloir que tu te calmes avec lui parce que sinon, ça. Bah, c'est quoi, c'est quoi ce qu'il te dit? Ben, il me dit que tu le prends à part quand il est avec tes collègues, que tu t'amuses à le harceler, que tu t'amuses à l'insulter, à te moquer de lui. Comme mon petit frère, moi j'ai pas envie, tu vois, j'ai 31 ans, je vais pas me disputer avec toi, tu es trop jeune. Je te demande juste de laisser le petit tranquille, parce que quand tu rentres à la maison, il n'est pas bien, j'ai pas envie que ça dégénère. Ouais, mais là, tu vois, en fait, il faut que tes parents t'apprennent le respect à toi, parce que, tu vois, j'ai 31 ans. Mais parce que tu vas pas me parler comme ça, en fait. J'ai pas ton âge, moi. Écoute, tu veux pas t'arrêter avec le petit? Oui, tu veux pas t'arrêter, je me suis déplacé. Personne, j'ai pas que ça à faire, moi. Mais alors? C'est-à-dire, j'ai autre chose à faire que venir, je m'arrêterai pas, et même s'il faut, je continue avec toi, ta famille, qui tu veux. Oui, mais tu as 17 ans, qu'est-ce que tu veux? Mais alors? Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire du tout, gros. Je vais rien faire du tout, arrête. Bah arrête! C'est bon, tu veux... Mais pourquoi vous faites les voyous comme ça, les jeunes d'aujourd'hui, là? Mais pourquoi vous croyez que vous avez une paire de couilles à pousser dans la nuit, là? Comment on écoute? Mais tu as plusieurs, tu sais, attends. N'oublie pas que tu harcèles un petit, tu me dis que tu as des couilles. Tu harcèles un petit à plusieurs, qui a 15 ans, qui a 2 ans de moins que toi. Non, me dis pas que tu as des couilles. Ne me fais pas. Je te dis juste arrête. Tu sais, c'est un avertissement, arrête. Mais pourquoi tu me menaces? Parce que ouais, c'est peut-être des menaces, gros. C'est pas une menace, c'est une promesse. Ouais, c'est que je t'envoie mon daron. Il est là, ton père? Oui, il est là. Cherche ton père. Comme ça, je pourrais parler un peu plus sérieusement avec lui, vas-y. Bonjour, monsieur. Je suis le grand frère à Arthur.
C'est un élève qui est dans le lycée à votre fils. Ouais. Et j'ai mon petit frère, c'est mon petit frère, et il me dit que votre fils s'amuse à le harceler. Donc j'ai essayé de lui expliquer qu'il faut qu'il arrête parce que mon petit frère, il est pas bien. Bon, il dit que c'est pas vrai. Bon, moi je. Voilà. Donc, mon petit frère, il invente rien. Tout à l'heure, il a fait des menaces. Non, j'ai menacé personne. Non, c'est toi qui as commencé à menacer. D'ailleurs, je t'ai dit d'appeler ton père. Oui. Voilà. De toute façon, aujourd'hui, je parle avec eux. Je parle pas avec lui. Tu es en train de me dire que mon fils, il ment. Ouais, je suis en train. Oui, votre fils, il ment. Parce qu'il y a des témoins qui l'ont vu, il y a des jeunes qui. Ah, c'est la même chose. Écoute, écoute, on ne veut pas aller par quatre chemins des égalades, tout ce que tu veux. Mon fils, il est tranquille. Il a des bonnes notes. Ah bon? Il n'y a rien de tout ça. Votre fils, il a des bonnes notes? Ouais, ouais, il n'y a pas. Ça doit être ton. Je sais pas, là. Écoute, tu vas pas commencer, mais tranquille. Je suis en train de. Mon bouquin, tranquille. Je reviens, m'embête, c'est quoi ça? Ah, je vous embête pas. Moi, je viens ici pour parler au petit, pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il arrête d'harceler mon petit frère. Et vous, vous êtes là, il vous fait sortir. Donc. Moi, j'ai raison, personne, mon fils. Mais oui, il a harcelé, bien sûr. Mais là, il faut arrêter. Et pourquoi mon petit frère, il est menteur, ça alors? Parce que mon petit frère, c'est mytho. Mais comment c'est mytho? C'est mytho, ton petit frère. Voilà. Non, mais comment on fait? Parce que mon petit frère, moi, il est pas bien, donc on fait comment? Bah, moi, j'en sais rien, ton petit frère, tu te merdes avec ton petit frère. Moi, je rentre tranquille chez moi, mon fils, toi, tu vas rentrer. Voilà, tranquille. Allez, ça suffit. Parce que moi, mon petit frère, le truc, c'est qu'il vient à la maison après, il a de mauvaises notes. Parce que ça le perturbe. À la maison, ben, il est pas bien, il reste isolé dans sa chambre. Et moi, mon petit frère, je veux pas le voir comme ça. C'est une chouchotte, ton petit frère. C'est une ton petit frère. Ben, c'est une chouchotte en même temps quand on vient, il y a quelqu'un qui lui tombe dessus avec de 2 ans de plus que lui. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Non, vous voulez qu'il fasse quoi, mon frère? Vous voulez qu'il fasse quoi? C'est soit, à un moment donné, faut que t'arrêtes, soit ça va finir mal. Je te l'ai dit, ça va mal finir. Non, mais ça. Vous savez pourquoi ça va mal finir? Ça va finir au commissariat. Il y a des plaintes comme ça, c'est pris au sérieux. Le harcèlement, vous croyez? Quoi? Bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que ça y est, il est là, vas-y, amen. Non, mais. Attendez, on bégaye pas, on parle tranquillement. Votre fils, tout à l'heure, il a avoué. Tu l'as avoué. Je suis pas menteur. Il y a des jeunes, attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Il y a des jeunes de sa classe et du lycée qui sont témoins et qui témoignent. Il habite dans une belle villa, tu es pas un mec de quartier, arrête de faire la rue, tu es pas un mec de quartier, tu es pas un mec de la rue. Je pense que vous t'avez raconté ou pas? Je crois que quoi, je me suis levé comme ça. Mais oui, mais vous avez raté l'éducation, monsieur, moi je vous l'ai dit. Attends, c'est quoi? Attends, écoute, tu vas rentrer déjà. T'as des devoirs, tu te dépêches, tu vas rentrer, tu vas faire tes devoirs. Écoute, d'accord? Moi je vais rentrer, reviens, ressonne. Ça ira là où ça ira. Ah, bah vous voulez que je joue comme ça alors? Je vais la jouer comme ça. Vous voulez la jouer comme ça? Je vais la jouer comme ça. D'accord, y'a pas de problème. Ça va, je vous laisse rentrer, allez-y. 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 Ah, monsieur, au fait! Venez voir. J'ai un truc à vous dire. Depuis tout à l'heure, vous savez, votre fils il a oublié de vous le dire. Mais vous savez, je fais des vidéos sur internet, des caméras cachées, tout ça. Et là, depuis tout à l'heure, vous êtes filmé. Et j'ai aussi. Vous êtes filmé. Si vous savez pas ce que c'est le harcèlement, vous allez savoir ce que c'est dans pas longtemps. Papa! Toi, je t'ai dit, va retourner faire tes devoirs, dépêche-toi maintenant! Pourquoi? Parce que vous avez l'air de pas trop comprendre ce que je suis en train de vous dire. Parce que votre adresse, là, ici, si je la mets sur internet, c'est pas 2, 3, 4, 5 personnes qui vont venir. C'est dans toute la France qu'ils vont se déplacer pour venir vous voir et pour harceler vous et votre fils. Écoute, on va pas aller. Tu sais pourquoi je parle comme ça? Parce que tout à l'heure, quand tu es venu, tu m'as dit ouais, ressonne ici, je sais pas quoi, machin, tu m'as fait des menaces. D'accord? Je suis venu ici parler gentiment. T'en as fait un même mot. Non, je fais des menaces, c'est ton fils qui a fait des menaces. Moi, je suis venu te parler gentiment. Et tu m'as répondu quoi? Ne viens plus sonner ici, mon fils n'est pas un menteur, ton frère c'est une chochotte, pas un couffin, d'accord? Non, moi, je suis pas une chochotte. Moi, si je veux ici, là, maintenant, je fais un appel sur internet, je donne ton adresse. Et il y a du monde qui va venir et je vais te faire déménager, c'est ce que tu veux? Ah, c'est bon, c'est bon. Ok. Eh non, mais ouais, tranquille. C'est bizarre d'un coup. Pourquoi tranquille d'un coup? Ah, attends, c'est quoi, attends? Oh! Vas-y, reviens là. Vas-y, bouge. Oh! Tu peux pas me dire qu'il était connu, toi? Mais tu connaissais? Je suis pas abruti. Tu as un abruti dans ta tête. Non, mais c'est comme ça. Comment ça, tu crois que je le connaissais? Tu crois que quoi? Tu crois que je passe ma vie sur les réseaux? J'en sais, moi? Oh! Eh ben toi, maintenant, regarde le mec, il est là. Oh, il veut nous mettre en dessous. Oh, tu... Je sais pas ce qui me retient, je te le dis. Mais ça va, mais tu vois pas parce qu'il est là, ça y est, frère. Il veut juste vous intimider dans les deux, frère. Oh, fils, écoute, c'est pas connu. Ça me bat très. Mais là, il dit qu'il y a une caméra.
caméra, d'ailleurs, j'ai même pas vu sa caméra. Toi, tu viens, tu me fais ramener des gens comme ça? Je savais pas qu'il fait mieux. Tu le connais, c'est mon frère, c'est ton fils déjà. C'est pas mon fils, déjà, c'est mon frère. Ouais, déjà, c'est mon frère. Frère. C'est pareil, toi. Voilà, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et si tu veux ça. Moi je te le dis, je sais que c'est toi. Mais pourquoi? Comment est-ce qu'il y a des autres? Genre, il y a d'autres élèves qui sont harcelés par. Toi, il y a mon qui harcèle ton fils et ton frère. Écoutez, vous savez ce qu'on fait? On arrête de discuter parce que tu veux faire le voyou. Je vais mettre ton adresse maintenant sur internet, sur Instagram. Je mets en story ton adresse. Et on voit qu'il y a combien de gens qui viennent. Tais-toi. Tu veux? Tais-toi. Je fais ça, il n'y a pas de problème, moi. Moi, il n'y a pas de violence. Je vais pas mettre. Et vous? Il y a un truc que vous comprenez pas, je crois. Pourquoi de cette violence? Pourquoi de cette adresse? Hein? Pourquoi de cette adresse? Ne me dis pas que c'est pas toi, s'il te plaît. Ne me dis pas que c'est pas. Arrête de me prendre pour un con. Bah, c'est vrai, parce que moi, c'est moi qui harcèle, oui. Mais. Dans les trucs qu'on fait, il y a des choses que je fais pas. Ah ouais? Parce que mes skins pour lui. Mais toi, de toute façon, je te le dis, c'est un abruti. Il est connu maintenant, putain. Il connaît notre adresse, abruti. Il connaît notre adresse. Oh! Donc, il serait pas connu, on s'en battrait. Et je comprends pas, si pas pourquoi, ça veut dire si je suis pas connu et donc. Ma batterie, c'est pas grave. Ah, tu t'en fous? Oui, bien sûr, je m'en fous. Donc, en fait, ton fils, il peut harceler des gens. Mais du moment où ils sont pas connus, c'est pas grave quoi. Eh là, c'est bon, c'est reste tranquille. Oui, fais ta marchette, ton fils, ton tu ferais mieux de faire entrer ton fils maintenant, tu ferais mieux de le faire entrer vraiment, vraiment. Passer le message à toute ton équipe que si vous touchez encore enfin, mon petit frère, ça va mal se passer. Je te le dis, je fais pas de menace moi. Mais tu as une adresse, d'accord? J'ai ta tête, j'ai la tête de ton père. Si tu as envie de voir toute la France débarquer devant chez toi et de savoir ce que c'est vraiment le harcèlement, tu vas le savoir. Oh, écoute-moi bien maintenant. Tu le vois pas? Tu vois pas qu'il va nous mettre dans la merde? Vas-y, va prendre la caméra, vas-y. J'ai ton adresse, la... elle est là. Vas-y, enlève-moi ce que j'ai dans la tête. Tu vas enlever la caméra, ça va rien changer. Bah écoute, écoute, on va couper court, c'est quoi? C'est bon, je vais m'occuper, ouais, machin, tranquille. Prends ta caméra, cassez-vous. Non, 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 ça. On va pas se casser maintenant, je te le dis, le petit, il va rentrer. Fais-le rentrer, le petit. Fais-le rentrer. Toi, si tu étais sorti tout à l'heure en me disant, bon, c'est vrai, machin, je m'excuse, tu vois. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où tu as su que j'étais connu, tu as changé et là tu as commencé à lui faire la morale parce que tu veux pas que ton adresse elle le fuite sur internet. Ce que je peux comprendre. Ce que je peux comprendre parce que je comprends qu'on n'ait pas envie de se faire harceler. C'est logique. Comme mon frère, il a pas envie de se faire harceler. Mais il se fait harceler. Après, je te le dis, ouais, t'es connu, c'est bon, vas-y maintenant, c'est tranquille. C'est pas connu, c'est seulement. C'est bon, qu'ils sont sans fou, les gars. C'est pas le problème. Ils sont jeunes, ils se démerdent. Non, non, c'est maintenant qu'il faut leur apprendre. Non, non. Mon petit frère il est dans les études, il n'a pas le temps d'aller apprendre à se défendre ou je sais pas quoi. Mon petit frère c'est un petit, il est dans son coin, il est tranquille. Donc quand tu me dis que mon frère c'est une chouchotte, non mon frère c'est juste un petit qui a pas envie d'avoir de problème. Si ça c'est être une chouchotte, je crois qu'on n'a pas la même définition du mot chouchotte, ok? Maintenant, avec le discours que tu as eu, tu vas venir avec moi et on va faire une petite sentence pour te faire comprendre la leçon. Si tu veux pas que je donne ton adresse. Tu veux pas l'avoir dans le mien. Tu pas de problème. Tu as vu, regarde. Non, c'est pas de problème, machin. Alors tu vas avec moi. C'est ce discours-là. T'as vu, je t'aurais dit frérot, c'est bon, rentre chez toi, occupe-toi de ton fils. Mais t'as vu, t'avais pas l'intention de ton fils jusqu'à ce que je te dise que je suis connu. Donc maintenant, vu que tu marches au chantage, je vais te montrer ce que mon frère il ressent tous les jours. Viens avec moi, viens. Appelle qui tu veux. J'attends en bas. Bon les gars, on arrive au moment fatidique, au moment à votre moment préféré de la vidéo. On a fait revenir Stéphane parce que je veux qu'il voie de ses propres yeux ce que ça fait d'être humilié, rabaissé. Donc du coup, on a fait venir aussi son papa. Viens, n'aie pas honte. Viens. Voilà. Donc aujourd'hui, je veux que tu vois ton père. Tu peux retourner à la caméra si tu veux. Je veux que tu vois ton père. À cause de tes conneries, ton harcèlement, je veux que tu vois ton père dans cet état. Parce qu'à la base, il a fait rentrer, mais j'ai dit rappelle-le parce que c'est intéressant que tu le vois comme ça. Donc tu vois, à cause de tes conneries, ton père dans quel état est fini. Le petit plus dans cette vidéo, c'est que je vais t'allumer le fumigène et tu vas devoir chanter libéré. Délivré, tu connais cette musique? Eh bien là, tu vas chanter libéré, délivré, je n'harcèlerai plus jamais. Allez, rayonne mon ami. Libéré, délivré, je ne chantirai. Eh, tu peux aller plus vite, s'il te plaît? Est-ce que tu peux aller plus vite? Libéré. Allez, plus fort! Délivré! Vas-y, la suite! Délivré! Vas-y! Délivré! Je n'harcèlerai plus jamais! Libéré! Libéré! Je ne harcèlerai plus! Je n'harcèlerai plus! Je n'harcèlerai plus.
Tu courras en l'air comme là. La liberté, voilà. Ah oui, voilà. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à rajouter Loubit, qui n'a pas servi à grand chose, mis à part tirer des feux d'artifice. Alors je tiens à préciser aussi pour YouTube que ces feux d'artifice là, c'est des feux d'artifice froids. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun danger d'incendie, il n'y a aucun danger de blessure, il n'y a aucun danger de quoi que ce soit, d'accord? Parce que c'est des feux d'artifice froids. Ok, ça brûle pas, ça pique pas, je le dis pour YouTube et que regardez bien la vidéo. Ça ne brûle pas, ça ne pique pas, ça ne crame pas, ça fait rien du tout, c'est froid. Ok, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle expérience sociale, caméra cachée, un prank ou un règlement de compte comme celui-là. J'espère qu'elle vous a plu et surtout, soyez contre le harcèlement scolaire. Et si vous êtes victime d'un truc comme ça ou si vous êtes témoin de quelque chose comme ça, n'hésitez pas à aller contacter le proviseur, le CPE, et vos parents. Il y a même un numéro spécial pour ça aussi. Et il y a même un numéro spécial. Et le numéro spécial, ben, il est sur internet. Mais on vous le met aussi dans la description. Pour toutes les personnes qui se sentent harcelées, ben, n'hésitez pas à contacter ce numéro si vous ne voulez pas en parler à vos parents ou à qui que ce soit parce que vous avez peur, est-ce que je peux comprendre. Voilà, mais c'est un sujet qui est très sensible, qu'il faut prendre au sérieux. Donc n'hésitez pas vraiment à réagir si vous êtes témoin ou victime de quelque chose comme ça. Rajoutez Loubi sur Instagram. N'oubliez pas de nous rajouter à nous aussi. Je vous fais de gros bisous. Rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Et à très vite. C'était Kamoff. Ciao, ciao.